Bien, bon, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation au cours de ce rapport dont nous avons avec le président qui va nous rejoindre, hein, qui est Paris, Monsieur Peu. Moi, je vais d'abord me présenter, puis on fera une petite présentation avant de pouvoir peut-être, ou dans un premier temps, vous présenter un petit peu cette mission et le but de ce rapport plutôt. Moi, je suis Mickaël Cosson, donc je suis député des Côtes d'Armor depuis un an. Et auparavant, j'ai pu exercer le rôle de maire sur une commune d'une agglomération soumise à la loi SRU. Et auparavant, exercé au sein de la DDTM sur tout ce qui était aménagement et urbanisme. Et également logement social au début de ma carrière, au moment de l'installation de la loi SRU notamment. Donc du coup, cette mission, elle a pour but tout simplement, vous connaissez la conjoncture, donc on a déjà eu pas mal d'auditions qui nous ont permis de pouvoir entendre à plusieurs reprises les mêmes constats, constats qui sont partagés, constats qui font qu'aujourd'hui, nous avons un besoin en termes de logement pour assurer le parcours résidentiel, besoin qui est encore plus pressant dû à aujourd'hui un problème de mobilité, c'est-à-dire que finalement, on peut le dire qu'à chaque étape de sa vie, eh bien, il est devenu compliqué de pouvoir accéder à un logement. Vous devenez étudiant, vous voulez obtenir un logement, vous avez avec de la chance un logement à la fin de votre scolarité, ou bien en tout cas pas celui que vous estimiez devoir pour pouvoir exercer dans de bonnes conditions. Et ensuite, vous rentrez dans la vie active, vous vous retrouvez à avoir des difficultés pour pouvoir vous loger à proximité de votre lieu de travail, ou dans les mêmes cas, pas dans les réseaux, enfin, dans les conditions que vous auriez souhaitées. Et puis lorsque vous êtes libéré de votre vie active, vous vous retrouvez dans un logement qui, au fur et à mesure, n'est plus adapté à vos besoins. Et à nouveau, vous vous retrouvez confronté à un problème de logement, puisque vous n'arrivez pas à avoir une offre présente sur le marché pour pouvoir continuer à vivre en autonomie dans son logement, à proximité des commodités, sans devoir avoir besoin à réclamer de l'aide à droite, à gauche. Donc finalement, à chaque étape de sa vie, nous avons un problème de logement. Et ceci est présent de plus en plus de manière appuyée ces dernières années, ces derniers mois. Et donc, la Banque des Territoires a un rôle important depuis maintenant quelques décennies en matière de logement social, avec des évolutions qui ont pu avoir lieu tout au long de ces décennies pour pouvoir répondre en termes d'objectifs à la production de logements, avec toujours, dans tous les cas, un besoin supérieur à la production, et donc avec des difficultés selon la conjoncture plus ou moins prononcées. Et le but de notre rapport, et en tous les cas des auditions qu'on mène, c'est de, bien entendu, une fois qu'on a fait le constat qui est partagé par beaucoup, quelle solution, quel levier pour justement, cette fois-ci, répondre aux besoins qui peuvent être différents d'un territoire à un autre, selon la démographie, qui peuvent être différents d'une décennie à une autre, selon la démographie. Et donc, là, on touche à l'appariement, à faire en sorte que bien les logements qu'on va produire répondent aux besoins du moment et du territoire dans lequel on est, et pas forcément d'une loi qui s'applique à tout le monde. Sur tous les territoires, peu importe si ça répond aux besoins spécifiques de celui-ci. Donc, comment on fait pour que la Banque des Territoires devienne un acteur majeur du logement social, mais aussi du logement, car nous avons tous vocation à peut-être passer par le logement social, mais aussi pouvoir en sortir, parce que si on a des taux de mobilité qui sont compliqués, c'est aussi l'accès aux emprunts qui le devient, et avec en plus la hausse des matériaux. Donc, comment faire en sorte que la Banque des Territoires aussi puisse devenir un acteur majeur du parcours résidentiel tout au long de sa vie et pour toutes les bourses. Je vais maintenant vous laisser la parole avant qu'on puisse justement échanger. Alors, vous avez eu pour cela un questionnaire, qui est le plus large possible. L'idée étant que justement vous puissiez répondre aux questions qui vous concernent, mais aussi de pouvoir voir les questions qui peuvent concerner on va dire, les différents acteurs du logement pour éviter justement qu'on continue à travailler en mode silo. Très bien, merci beaucoup.
Excusez-moi. Bonjour à tous. Peut-être dire quelques mots juste un petit pour se présenter rapidement, et puis je vous propose ensuite de rentrer dans le vif du sujet avec un propos liminaire et puis pouvoir répondre à vos questions sur la base du questionnaire que vous nous aviez transmis. Donc moi je suis Costa Castrinidis, je suis le directeur des prêts de la Banque des Territoires. Donc c'est dans ma direction que se situe l'ensemble des activités de financement à destination du logement social, avec aujourd'hui un financement annuel de l'ordre de 11 milliards d'euros octroyés sur le volet logement social et politique de la ville, essentiellement à destination des bailleurs sociaux pour soutenir l'effort de production et de construction de logements, mais également pour soutenir un des sujets qui est grandissant aujourd'hui, la question de la rénovation thermique du parc social. Au total, c'est 170 milliards de dettes que nous portons pour le secteur HLM, avec ce mandat qui nous est confié par la loi d'être le financeur de référence, le point pivot, et qui nous rend de facto un partenaire extrêmement stratégique pour les bailleurs sociaux. Sociaux et qui nous oblige à être en permanence en adaptation et en action pour pouvoir accompagner le mouvement HLM dans une conjoncture qui, au cours des dernières années, s'est complexifiée, mais je vais y revenir. Et je suis accompagné par Sophie Vessière, que je laisse se présenter. Bonjour, Sophie Vessière, je suis. Pardon, c'est mon tour. Donc Sophie Vessière, je suis la directrice des relations institutionnelles et des affaires stratégiques à la Banque des Territoires auprès de Costa. Et celle d'Aglonay? Non. Celle d'Aglonay, pardon. Conseillère en relations institutionnelles à la Caisse des dépôts. Mot de propos liminaire. Aujourd'hui, notre analyse au sein de la Banque des Territoires, c'est que le monde du logement, et plus particulièrement le monde du logement social, est certainement un des secteurs qui est le plus confronté à la problématique de conjuguer les enjeux de cohésion sociale et les enjeux de transformation écologique. Cette conjugaison entre les deux enjeux, c'est une conviction forte de notre part, une nécessité. On ne réussira pas l'enjeu de transformation écologique si on ne préserve pas un modèle social fort. Cette nécessité de conjuguer ces deux enjeux intervient dans un contexte macroéconomique qui est plus dégradé qu'il ne l'était au cours des précédentes années. Et donc, bonjour, le monde du logement social, comme d'autres secteurs économiques, mais c'est plus prégnant pour ce dernier, est appelé à accroître son volume d'investissement pour réussir à produire plus et répondre aux besoins sociétaux que vous aviez évoqués, et appelé à produire plus pour positionner le parc HLM à la hauteur des enjeux de la stratégie nationale bas carbone, avec probablement une chance pour notre pays, le fait que les bailleurs sociaux sont des opérateurs qui ont une capacité de maîtrise d'œuvre qui leur permet aujourd'hui d'être plus avancés que le reste du parc d'habitat privé ou tertiaire en matière de réhabilitation thermique. C'est une bonne chose, mais l'effort doit continuer à être réalisé, notamment depuis l'intégration des critères carbone dans la nécessité de revoir et de transformer le patrimoine et l'habitat. Ces deux enjeux d'accroissement des investissements se traduisent par des investissements annuels aujourd'hui du mouvement HLM qui se situe autour de 19-20 milliards par an. Donc c'est très conséquent, hein, porté sur environ 550 organismes HLM. Avec pour eux une difficulté qui s'est matérialisée très fortement depuis le début du choc inflationniste en 2022, du fait de la remontée très rapide des taux d'intérêt et de la remontée de facto du taux du livret A, qui est le taux de référence, hein, sur lequel s'endette le monde HLM, qui est venu créer un stress sur les comptes du mouvement HLM, puisque
1% de hausse du taux du livret A, ça représente 1,4 milliard de charges financières supplémentaires à payer pour les bailleurs sociaux. Et ce taux du livret A a été multiplié par 6 hein, en 2022. Il n'y a pas eu de précédent depuis le choc pétrolier des années 70. Donc on est vraiment sur une situation, un choc inflationniste qui a eu un impact très fort. Mais il n'est pas le seul, puisque en parallèle, les coûts de construction et un certain nombre de postes de charges ont évolué à la hausse, créant un effet ciseau sur les comptes du logement social qui se ressent sur les exercices 2023 et qui vont se ressentir également sur les exercices 2024. Une fois qu'on a dit ça, néanmoins, notre lecture n'est pas du tout catastrophiste hein, de la situation et notamment la situation financière du monde HLM. On a tout d'abord la chance d'avoir un secteur HLM qui est bien géré, qui a des fondamentaux financiers qui sont très solides, avec un modèle qui a démontré sa résilience au cours des épisodes précédents avant le choc inflationniste, que ce soit les suites de la loi Elan et de la RLS, ou bien la crise pandémique liée au Covid. Le secteur a su traverser ces différentes épreuves finalement maîtrisant ces grands ratios financiers, si bien d'ailleurs que quand on analyse les comptes en entrée de choc inflationniste, donc sur les exercices de 2021, globalement, si on considère évidemment le monde HLM comme un macro-organisme, c'est-à-dire qu'on agrège les comptes de tous les bailleurs sociaux, ce qui n'est évidemment pas la traduction de la réalité très concrète et de l'hétérogénéité du secteur. Néanmoins, on a un secteur qui a des fondamentaux solides, avec notamment un autofinancement qui s'est amélioré, une capacité d'autofinancement qui est un des ratios importants du monde HLM, puisqu'il a progressé de près de 14% à 19% entre 2020 et 2021. Donc ça, c'est un point favorable, c'est-à-dire qu'à l'heure où le choc inflationniste vient stresser les exercices 23-24, le monde HLM est entré dans la crise avec une situation financière saine et avec des capacités d'investissement. La question qu'on s'est posée, et ça a été notamment le travail que nous avons réalisé dans le cadre de notre étude annuelle Perspective, auquel votre questionnaire fait référence, qui est une étude qui vise à la fois à dresser l'état de santé du secteur d'un point de vue rétrospectif sur la base des comptes arrêtés, mais également à projeter cette santé financière sur le temps long, très long, puisqu'on est dans le monde HLM face à des investisseurs de long terme. Quand ils investissent dans un logement, ils investissent sur 40 ans, 50 ans. Et quand ils investissent sur du foncier, nos prêts peuvent les accompagner jusqu'à 80 ans en territoire tendu. Donc on est vraiment sur des investisseurs qui se positionnent sur le temps long. Et cette étude Perspective a cette vocation de pouvoir projeter les grands équilibres financiers du monde HLM en tenant compte de la vision de nos macroéconomistes, évidemment, qui est, comme tout exercice de macroéconomie, un exercice qui n'est pas certain, mais en tout cas qui permet d'étudier la capacité d'investissement dans le temps long des acteurs que sont les bailleurs sociaux. Ce qui était frappant dans l'étude que nous avons menée cette année, c'est finalement le fait que même si la situation financière en entrée de crise est solide, les charges liées à la rénovation thermique du parc et à la décarbonation du parc pour se rapprocher des cibles 2030 et 2050 de la stratégie nationale bas carbone sont des cibles qui vont générer une érosion rapide des fonds propres du monde HLM. Puisque ce sont des opérations qui, par nature, sont déséquilibrées. C'est-à-dire que quand on investit pour transformer le parc, pour l'isoler thermiquement ou pour le décarboner en modifiant les vecteurs énergétiques dans un logement, il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme qui permette d'avoir des recettes supplémentaires. C'est-à-dire que la gestion locative, qui est l'activité cœur de métier d'un bailleur social, elle n'est que dégradée par cet investissement et elle n'est pas améliorée
améliorer. L'accroissement des rénovations pour passer à près de 125 000, 130 000 rénovations par an, sans être tout à fait d'ailleurs au niveau de l'ambition posée par la SNBC, mécaniquement va venir éroder les fonds propres et donc questionne la capacité des bailleurs sociaux à investir à la fois dans la transformation écologique du parc et à la fois sur la production nouvelle. Et ce qui s'est tant et si bien que dans l'étude, pour réussir à préserver le macro-organisme du secteur dans le temps long, nous avons été amenés à réduire la production de logements sociaux à 66 000 logements sociaux par an à partir d'un certain stade. Donc, ce qui est vraiment une dégradation de plus de 25 000 unités par an de logements sociaux, ce qui est extrêmement significatif quand on sait aujourd'hui quels sont les besoins en la matière. Et le message que nous avons souhaité passer à travers ces travaux, qui sont des travaux en soi très objectifs, qu'on est les seuls à pouvoir faire du fait qu'on a les comptes et qu'on est le banquier du secteur, c'est qu'il ne nous paraît pas acceptable finalement de considérer que la transformation écologique doit se faire au détriment de la production de logements sociaux et qu'il faut trouver les voies et moyens de pouvoir aider les bailleurs sociaux à réussir le plus possible à conjuguer les deux. Car il y a un effet mécanique, notamment lié à la loi climat et résilience, qui fait que les bailleurs sociaux, probablement sans dispositif de soutien ou de diversification ou sans recettes nouvelles, pourraient être amenés à prioriser la rénovation sur la construction et donc à arbitrer avec des disparités évidemment locales, avec l'autonomie de gestion de chacune de ces entreprises ou de ces organismes en fonction de leur statut, mais néanmoins une problématique extrêmement difficile de thèse d'investissement et de politique d'investissement pour les acteurs que sont les bailleurs sociaux. Alors, dans les points plus rassurants, une fois qu'on fait ce diagnostic-là, on est quand même sur un secteur qui est un secteur régulé, qui est un secteur qui bénéficie du soutien du monde local, du soutien de l'État, du soutien de son partenaire et financeur de référence que nous sommes, du soutien d'un autre partenaire extrêmement important du secteur qui est Action Logement. Et c'est vrai que, comme au cours de tous les chocs passés, l'ensemble des parties prenantes doit travailler de manière très solidaire pour venir soutenir les bailleurs sociaux dans cet acte d'investissement. C'est ce qui a été fait au cours du congrès HLM à Nantes, avec à la fois les annonces que vous connaissez, qui sont aujourd'hui traduites dans le PLF, de mise en place d'un fonds dédié à la rénovation énergétique des bâtiments, doté de 1,2 milliard sur plusieurs années. Cette vision pluriannuelle, elle est extrêmement bienvenue, puisqu'elle donne de la visibilité. Elle est rassurante pour les investisseurs et puis elle va permettre de réduire le déséquilibre lié aux opérations et au financement des opérations de rénovation énergétique. Je cite également au passage la seconde vie des bâtiments, qui est également un dispositif que nous soutenons, qui est un dispositif très, très pertinent, qui permet de répondre à la fois aux enjeux de décarbonation du parc en évitant de démolir des bâtiments qui sont souvent des bâtiments qui ont déjà été amortis, qui ont une emprise foncière d'ores et déjà, mais dont la structure pourrait être est préservée, mais dont finalement le design peut être repensé en l'adaptant mieux aux besoins du territoire et en préservant du coup les coûts carbone liés à la démolition. Le fait que ce dispositif soit finalement relativement peu de temps passé du stade de l'expérimentation au stade du dispositif pérenne prévu par le PLF est vraiment une bonne chose et on pressent que ce dispositif pourrait être un des leviers très intéressants pour les bailleurs sociaux dès lors qu'il permet de transformer des actifs et de reconventionner les logements. Ce qui permet au passage également une gestion patrimoniale plus souple pour les bailleurs sociaux.
De notre côté, nous avons mis en œuvre un certain nombre de mesures déjà depuis fin 2022, mais que nous avons amplifiées, je dirais, à l'occasion du congrès HLM, avec des mesures justement visant à conjuguer ces deux grands enjeux que j'évoquais en introduction. Sur la rénovation thermique, nous avons des financements aujourd'hui qui sont des financements très attractifs, avec un dispositif qu'on appelle l'éco-PLS, ou l'éco-prêt, qui permet à un bailleur social de bénéficier d'un taux donc indexé sur le livret A, mais réduit de 75 points de base. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux du livret A à 3% et donc que les bailleurs sociaux empruntent à 2,25 pour pouvoir financer leur rénovation énergétique ambitieuse à l'heure où les taux de marché et les taux monétaires sont tous bien au-delà de 4, voire 5% dans le monde commercial. Donc c'est un vrai atout que de disposer de ce financement-là. Et donc on a accru l'enveloppe disponible sur le bilan du fonds d'épargne pour accompagner ces enjeux de transformation énergétique. On a aussi innové en mettant en place un outil de data science, qui est un outil qui va être un outil de place, hein, totalement gratuit pour les bailleurs sociaux, qui vise à cartographier la consommation énergétique de l'ensemble du parc social et donc d'aider les bailleurs sociaux dans la capacité à identifier finalement les passoires d'une part, puisqu'il en reste quand même quelques pourcents, mais également progressivement à cartographier les pistes de décarbonation, que ce soit les réseaux de chaleur verts à proximité de leur parc et donc de faciliter les raccordements des réseaux de chaleur, que ce soit le potentiel photovoltaïque des bâtiments que nous allons bientôt implémenter dans cet outil et qui va permettre de mieux sensibiliser, acculturer et on l'espère augmenter les investissements des bailleurs sur ce volet de décarbonation. Et on travaille également avec l'ADEME à la possibilité d'avoir un financement justement dédié à la question de la décarbonation, un financement qui serait également concessif et qui permettrait pour les bailleurs, et ils sont un certain nombre, à avoir travaillé leur parc bâtimentaire, c'est-à-dire qu'ils ont bien isolé et ils ont des performances thermiques qui sont bonnes, mais en revanche, ils ont un chauffage gaz qui aujourd'hui qui détériore leur performance d'un point de vue carbone. C'est tout le sujet que vous connaissez autour notamment des nouveaux DPE. Et de plus en plus, on est convaincu que, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, les bailleurs vont être amenés à investir de manière plus autonome sur le volet vecteur dans ces cas-là et finalement à faire évoluer le vecteur énergétique, le chauffage de ces bâtiments. Et donc, il est important qu'on puisse les accompagner. Et le soutien de l'ADEME, qui est un expert de ces questions, est extrêmement précieux en la matière. Nous avons également, à l'occasion donc, du congrès, évoqué des mesures de soutien sur la construction, la production de logements sociaux, toujours avec cet enjeu de bien réussir à soutenir les deux efforts en parallèle, avec des mesures assez notables de baisse de marge sur nos financements. Donc, on a déployé, et c'est actif d'ailleurs depuis le début novembre, une baisse de marge sur les prêts très sociaux, en fait, pour les logements dits PLAI, donc c'est la partie la plus sociale du parc HLM, qui sont aujourd'hui les plus difficiles à équilibrer, puisque bien évidemment, ce sont les loyers les plus bas. Et donc, on a mis en œuvre une baisse de marge assez significative sur ces financements-là, avec une enveloppe de 6 milliards. Donc, c'est extrêmement conséquent. Ça pourrait couvrir les besoins des bailleurs sociaux durant 2 à 3 ans, en fonction de la manière dont ils vont pouvoir se saisir du sujet. Et on a également mis en œuvre des prêts verts sur les PLUS, donc, qui sont, on va dire, le milieu de la gamme sociale, de manière à accompagner les bailleurs sociaux dans les efforts nécessaires à la mise en exigence de la nouvelle réglementation environnementale. Vous savez qu'on a en France, avec la RE 2020, une réglementation environnementale exigeante, exemplaire, une des plus exemplaires d'Europe. Il y a un coût à ce changement et il est important qu'on puisse le soutenir, là aussi, en abaissant les marges. Au total, ce sont plus de 600 millions
d'économie d'intérêt qu'on réinjecte par le biais de ces mesures à l'intérieur du monde HLM. Et pour conclure, je veux évoquer deux autres points, enfin, disons, de réassurance par rapport au contexte général. Tout d'abord, revenir sur la décision de gel du taux du livret A qui a été prise par Bruno Le Maire, qui est une décision qui a trois effets très bénéfiques sur, en l'occurrence, les modalités de financement du monde HLM, puisque, premièrement, elle met un terme à cette hausse, à cette spirale de croissance extrêmement rapide. Elle donne de la visibilité aux investisseurs que sont les bailleurs sociaux, puisque c'est une décision qui a été prise non pas pour un semestre, mais pour couvrir 18 mois, donc jusqu'en janvier 2025. Les bailleurs sociaux ont une très bonne visibilité sur le fait que leur financement va être adossé à un taux à 3% et qu'aujourd'hui, un taux à 3% est vraiment un taux compétitif, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux ont accès à une ressource, celle du fonds d'épargne, qui est à la fois liquide et compétitive à l'heure où le taux de la BCE est à 4%. Donc on est sur une décision vertueuse que nous, on a déjà ressentie dans les financements qu'on octroie aux bailleurs sociaux, puisqu'on a un effet de rattrapage depuis que cette décision a été prise assez spectaculaire, avec un premier semestre qui était très dégradé et un second semestre qui est très dynamique. Et on devrait finir l'année probablement avec une hausse très forte sur la rénovation énergétique des financements qu'on octroie. À l'heure où on se parle, on est à plus de 25% de financements octroyés. Et sur la production de logements, être à peu près en ligne sur ce qu'on a réalisé comme financement l'année passée. Et peut-être dernier point pour conclure, qui me paraît important, et puis on pourra évidemment échanger ensuite en fonction de différentes questions et des sujets du questionnaire, c'est que l'autre grand facteur structurant actuellement, à nos yeux, en tout cas en tant que financeur, c'est la possibilité pour les bailleurs sociaux de se saisir du développement du logement intermédiaire. On n'est pas à l'intérieur de ce qui est le cœur historique structurant du mandat du logement social, mais on note que le développement du logement intermédiaire va constituer pour les bailleurs sociaux une piste de diversification de leurs activités, avec la possibilité, alors il faut que ça reste raisonnable dans la mesure où le logement intermédiaire ne doit pas venir cannibaliser la production de logement social, mais en revanche, le fait de pouvoir, à l'intérieur du bilan des bailleurs sociaux, passer progressivement de 10 à 20% de logements intermédiaires qui peuvent être portés, ce qui était une des mesures qui figure dans le pacte signé entre le ministre et le monde HLM au Congrès, et qui doit se mettre en œuvre, dans ma compréhension, très prochainement, est une mesure favorable car elle envoie un signal qui est un signal de souplesse. C'est-à-dire que le modèle aujourd'hui HLM, à nos yeux, est un modèle qui s'est montré résilient et qui va continuer à l'être, qui doit évoluer par endroits plutôt à la marge. Il bénéficie du soutien public, mais il doit trouver aussi, dans ses évolutions, des pistes de recettes nouvelles qui lui permettent, de manière plus autonome, sans avoir besoin du soutien de l'État, des collectivités ou de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires, d'avoir des pistes de revenus propres. Alors, parmi ces pistes de revenus, il y a un peu plus de souplesse sur les loyers. Alors, évidemment, avec toutes les précautions qui entourent la question, sachant que dans une période inflationniste, il faut aussi préserver le pouvoir d'achat des locataires, mais néanmoins, quand une inflation pendant plusieurs années a dépassé les 5-6%, il serait assez logique de pouvoir laisser la gestion locative appliquer des augmentations de loyers un peu plus conséquentes qu'aujourd'hui, et d'identifier des pistes de diversification dans les activités, comme je l'évoquais. Et c'est vrai que le logement intermédiaire a le mérite à la fois de permettre d'aller rechercher des loyers un peu plus élevés et de soutenir le parcours résidentiel. Ça, c'est vraiment intéressant à tout point de vue pour la question qui nous intéresse cet après-midi, et également de pouvoir donner un peu plus de liberté patrimoniale dans la gestion des grands équilibres financiers des bailleurs sociaux, puisque ce sont aussi des logements qui peuvent, après une dizaine d'années, être revendus et générer des plus-values de cession,
qui peuvent être réinvestis au profit du logement social. Donc il y a une dynamique vertueuse qui peut s'installer avec le développement du logement intermédiaire. Et nous nous félicitons de devenir aussi, dans le contexte actuel, le principal financeur du logement intermédiaire. On ne doit pas, là aussi, être le seul, mais ça crée une proximité plus grande avec le monde HLM et le lien entre logement social et logement intermédiaire figure certainement dans les leviers que vous évoquiez en introduction, les pistes qui devraient aider à passer le cap d'une période qui est assez complexe. Merci. Donc Stéphane, le président, Monsieur Peu, nous a rejoint. On avait juste évoqué un peu le but de la mission et puis ensuite a démarré cet échange sur un petit peu le constat et justement les leviers qui pouvaient, qui ont commencé déjà à voir le jour et puis aussi celles et ceux qui pourraient voir ensuite pour toujours dans le but de pouvoir assurer une production et surtout un parcours résidentiel, comme vous l'avez évoqué dans votre dernier point. Stéphane, tu as peut-être des questions, puis moi je poserai ensuite celles que j'avais. Merci. Désolé de mon retard, mais je présidais un jury, donc j'ai essayé de partir que quand le lauréat a été retenu. Bon, merci pour. Mais j'ai bien écouté, je crois, l'essentiel du propos. Moi, j'aurais deux, trois questions. D'abord, vous avez à juste titre fait référence en cette période troublée de la solidité du modèle du logement social, du logement HLM, qui est quand même assez singulier en Europe, enfin qui est assez singulier à la France. Donc ça m'intéresse d'essayer d'avoir un peu vos éclairages sur quels sont les principaux ressorts de cette solidité, parce que forcément quand on se projette, on essaye de ne pas saper les fondements de ce qui fait la solidité du modèle depuis maintenant plus de 100 ans, et en ayant connu bien des crises, parfois beaucoup plus tumultueuses et beaucoup plus graves que celles que l'on vit en ce moment. Donc un modèle aussi solide, et pour qu'il le soit autant, c'est que dans ses fondamentaux, il y a des choses qui, par-delà les décennies, par-delà les périodes, par-delà les crises, lui permettent de résister. Et j'ai une idée sur ce que sont ses fondamentaux et ses piliers, mais ça m'intéresse du point de vue de là où vous parlez, c'est-à-dire du point de vue de la banque principale, enfin du financeur principal du logement social, d'avoir votre point de vue. Bon, ça ne vous étonnera pas si je pense que parmi les piliers, il y a vous, mais à condition que vous restiez vous-même. Donc, du coup, ma deuxième question, c'est où on en est précisément, parce qu'on lit et on entend beaucoup de choses, j'aimerais moi avoir votre version à vous, sur l'extension des missions financées, des missions publiques, mais financées par le livret A et par l'épargne populaire. On a parlé du nucléaire, récemment il y avait un article sur l'armement, je rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'épargne populaire du livret A était quasi exclusivement orientée vers la production de logements dans notre pays, un tout petit peu l'aménagement du territoire et les collectivités, mais enfin principalement le logement. Bon, là, on entend nucléaire, armement, peut-être autre chose demain, que sais-je, les enjeux ne manquent pas. Enfin, bon. Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que bien évidemment, derrière cette question, il y a le sujet de savoir si, parmi les acteurs du logement, beaucoup considèrent que depuis un certain nombre d'années, je ne vais pas donner les dates pour ne pas trop politiser le sujet, mais que depuis un certain nombre d'années, le logement n'est plus une priorité dans ce pays. Et donc forcément, n'étant plus une priorité, les financeurs, enfin ceux qui y concourent, donc sont relégués ou invités à faire un peu autre chose.
Et donc, je voulais avoir, un peu votre point de vue également là-dessus. Voilà, après, j'entends à la fin, non pas sans certaines inquiétudes, ce que vous dites sur l'évolution des HLM, le fait qu'en se diversifiant, ils pourraient gagner en autonomie de financement. Mais je me demande comment ce que vous avez dit au début sur la solidité du modèle et ses fondamentaux et l'invitation à la fin à renforcer sa capacité d'autofinancement par un élargissement de ses missions à la vente, au logement intermédiaire. Voilà. Après, sur le logement intermédiaire, mais c'est pas forcément. Enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez m'y répondre, mais je vois pas. Le problème, c'est que quand on fait une politique du logement, il faut avoir en face, il faut arriver d'abord à partir de la réalité de la demande, et notamment de la demande sociale. Or, je n'ai jamais vérifié, dans mon expérience avant d'être député, d'élu local, mais même tout en étant député, je n'ai jamais vérifié à quoi correspondait le logement intermédiaire du point de vue de ses niveaux de loyer et de ses caractéristiques, à quelle demande sociale il obéissait. Marginalement, il y a toujours un peu de demande, mais enfin, je le vois pas comment un produit aussi, aussi suggéré dans les politiques du logement par les pouvoirs publics, par vous, je vois pas à quoi il correspond du point de vue de la demande sociale, sachant quand même que la demande sociale non satisfaite et qui fait que les listes de demandeurs de logement s'accroissent, c'est quand même le milieu du spectre ou le bas du spectre. C'est-à-dire le PLAI et le plus. Ouais. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, sur votre première question, sur les fondamentaux du modèle, je pense qu'effectivement, on a depuis plus d'un siècle en France la chance d'avoir un cercle extrêmement vertueux entre la capacité de mobiliser notre épargne, l'épargne des citoyens, un financement d'intérêt général qui bénéficie à des acteurs d'intérêt général que sont les bailleurs sociaux dans leurs différents statuts et qui sont des acteurs qui sont placés au service des territoires avec finalement un modèle de typologie de logement adossé aux différents besoins sociaux et une implication de chacun des échelons avec évidemment toutes les évolutions qu'ont pu connaître la question de la gouvernance territoriale du sujet, mais qui aujourd'hui reste un point extrêmement d'ancrage central, des acteurs capables de produire et de rénover et de gérer un parc social dont la qualité, y compris en termes de nature de logement, ne va qu'en s'améliorant, et un système de financement qui est celui du SIEG, qui lui permet de bénéficier de financements qui sont avantageux et qui ne sont pas limités. Il y a eu au cours de la décennie passée, notamment dans un contexte de taux très bas, de nombreux travaux ou des tentations d'ouvrir le financement du monde HLM à des financements de marché ou à des financements commerciaux. On voit bien que dans les périodes de crise, ce qui préserve le monde HLM et lui préserve cette capacité d'investir qui est exceptionnelle, hein, puisque je le disais en introduction, on a un peu plus de 500 acteurs qui génèrent 20 milliards d'investissements. C'est 300 000 emplois directs ou indirects qui sont générés par ces 500 acteurs. Mais ce qui les préserve, c'est effectivement la capacité de mobiliser l'épargne des Français dans ce système de transformation très républicain et très intéressant. En disant ça, ce n'est pas que le système de financement qui fait la force du monde HLM, c'est avant tout les femmes et les hommes qui le composent, qui sont des gens très engagés et qui ont réussi à passer toutes les crises que vous avez citées et certaines
scène qui était bien plus grave que celle qu'on traverse aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je suis toujours confiant. Sur la question du fonds d'épargne, ça fait le lien. Ça a été dit très clairement par Éric Lombard. C'est l'occasion pour moi de le redire. Aujourd'hui, notre mission première et principale, c'est le financement du monde HLM. Et je vais revenir sur les pistes que vous évoquiez, mais aucune de ces pistes ne viendra concurrencer ou déprioriser la mission de financement du monde HLM. Aujourd'hui, si on regarde la production annuelle de prêts de manière très concrète, on est à 11 milliards par an de financement octroyé au logement social et à la politique de la ville. Alors, le « et » est très important à mes yeux, puisque sur la politique de la ville, ouais, on oublie parfois, mais les bailleurs sociaux sont les principaux investisseurs dans les quartiers prioritaires de la République, et on est le principal financeur de ces bailleurs sociaux, comme on accompagne, on finance les collectivités locales également dans ces quartiers. Aujourd'hui, c'est ça l'emploi principal. Et on intervient également, comme vous l'avez cité, sur des projets portés par les collectivités locales, particulièrement aujourd'hui des projets de transformation écologique, la rénovation des bâtiments publics, les questions liées au stress hydrique qui est croissant, donc que ce soit les infrastructures d'eau ou bien les stations d'épuration ou bien le grand cycle de l'eau, on est très présent. La mobilité décarbonée également. Donc on est un financeur important dans le monde des collectivités locales, mais le mandat qui nous est confié n'est pas du tout de même nature. On vient là vraiment sur des objets qui sont des objets sur lesquels peu ou prou, la place bancaire ne se positionne pas en tant que financeur. Le sujet du fonds d'épargne qui explique toutes ces pistes que vous avez évoquées, c'est qu'on a depuis de nombreuses années, particulièrement depuis la pandémie, une collecte d'épargne qui est extrêmement soutenue. On a sur le simple mois de janvier une collecte nette de 11 milliards. Donc globalement, j'en prête 12, probablement cette année 13 ou 14. Mais en l'espace d'une année, on a une collecte qui dépasse les 30 milliards nets d'épargne collectée. Et notre enjeu est, pour équilibrer le modèle, de continuer à développer la possibilité de financer des objets de politique publique et d'intérêt général en mobilisant cette épargne. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs si actif sur le secteur du logement au sens large, puisque on est en soutien des bailleurs sociaux pour qu'ils arrivent à investir plus et d'une certaine manière à mobiliser encore plus cette épargne. Les collectivités locales, dans tous les enjeux de transformation écologique qui sont les leurs, peuvent bénéficier de ces ressources qui peuvent aller jusqu'à 80 ans et de plus en plus le font, et c'est une bonne chose. Et le reste, à ce stade, sont des pistes de réflexion, mais qui, dans tous les cas de figure, ne viendraient pas retirer des moyens au monde HLM. C'est vraiment le mandat principal, prioritaire, et ça le restera. Et on a juste une équation économique globale à faire vivre, mais il n'y a aucun doute sur ce point-là. Et puis sur le dernier point, je comprends tout à fait votre remarque. Hein, moi, je suis un fervent défenseur du modèle dans ses grands fondamentaux du modèle HLM. Ma conviction, pour avoir vécu de près les dernières années, c'est que dans un contexte où le coût de l'investissement est de plus en plus cher et que l'investissement doit être de plus en plus élevé, important, le soutien public est indispensable. On l'incarne et l'État et d'autres comme Action Logement peuvent l'incarner également, mais qu'il est probablement important qu'il y ait quelques pistes de diversification. Alors, le terme est peut-être impropre, mais en tout cas, quelques sources de recettes supplémentaires qui permettent aux bailleurs sociaux d'aller chercher aussi, en tant que chef d'entreprise d'intérêt général, des marges d'action qui ne soient pas dépendantes finalement des autres. Et parmi ces marges d'action, on voit bien ces dernières années différentes initiatives, mais qui restent des initiatives de niche. C'est pour ça que là où je rejoins votre point complètement, c'est qu'on met ces choses-là au même niveau parce qu'elles sont en train de se développer, mais les échelles sont complètement incomparables. On voit bien le développement du BRS, ça fait partie des questions qui
qui figuraient dans le questionnaire. C'est des développements qui sont très intéressants. Pour le coup, on est vraiment sur une vocation très sociale du BRS. On a près de 80-90 organismes fonciers solidaires qui ont été agréés. Aujourd'hui, on a à peu près 3500 logements en BRS qui ont été produits en plusieurs années. Donc, on est sur une évolution du modèle, une forme de diversification qui a une vocation sociale, mais qui, en termes d'échelle, reste vraiment un sujet encore de niche, même s'il a du potentiel. La question des cessions HLM, qui est un sujet aussi assez sensible, dans la mesure où on voit aujourd'hui qu'une grande partie de la capacité d'investissement et des fonds propres des bailleurs proviennent des ventes HLM. Sur l'autofinancement 2021 que j'évoquais tout à l'heure, en réalité, il y a plus d'autofinancement qui est généré par des ventes que d'autofinancement qui est généré par l'activité de gestion locative. Ça, c'est une grande différence avec ce qu'on a connu historiquement. Et donc, c'est important que le monde HLM puisse continuer à vendre pour continuer à bénéficier de cette capacité de réinvestir. Mais il doit le faire de manière limitée. Si la vente devient le fonds de commerce principal, ben, il n'y a plus de loyer et à terme, en fait, il n'y a plus d'activité de gestion locative. Enfin, donc la question de quelle juste dose, d'une certaine manière, quel juste équilibre pour pouvoir équilibrer les comptes en utilisant ce levier-là est une question vraiment importante. Et honnêtement, aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 ventes HLM par an. Hein, sur un parc de 5,5 millions. Donc, on est vraiment sur des tout petits ajustements. Et puis, pour finir, sur le logement intermédiaire, c'est exactement de même nature, en tout cas à mes yeux. Le logement intermédiaire, aujourd'hui, c'est à peu près 20 000 logements intermédiaires qui sont produits par an. Hein, 20 000 sur un marché global entre 400 et 500 000 logements annuels au national. Bon, un peu moins, malheureusement, probablement encore cette année. Mais ces 20 000 logements intermédiaires, ils sont quand même très ciblés sur des territoires très tendus et ils s'adressent finalement, on dirait, au bas de la classe moyenne qui est certes éligible souvent au plafond du PLS, mais qui peinent à les obtenir de facto et qui peuvent se diriger vers ce produit qu'est le logement intermédiaire. Mais ça ne peut pas fonctionner, le logement intermédiaire, partout. Ça peut marcher que dans les territoires très tendus. Et quand je dis que c'est une opportunité pour les bailleurs sociaux, c'est une opportunité pour eux de se saisir d'une quote-part de ces logements intermédiaires parce que ça va les aider à booster un peu leur compte de résultats et leur capacité de réinvestissement. Mais ça reste à l'échelle de ce qu'est le monde du logement et le monde HLM, vraiment une niche et ça doit le rester. J'avais tout à l'heure, vous avez spécifié le fait qu'aujourd'hui, il y avait des sommes conséquentes qui étaient dirigées par le monde HLM sur la rénovation thermique qui pouvaient se faire au détriment justement de la production de logements. Et ma question, elle est assez simple. En quoi vous pouvez justement avoir un rôle pour que cette part consacrée à la rénovation thermique ne vienne pas empiéter sur la production de logements, au même titre qu'on a pu, il y a quelques décennies, avoir la Caisse des dépôts et consignations qu'on appelait, avoir un rôle important auprès des collectivités lorsqu'il s'agit d'électrifier le territoire. Nous étions sur des taux et des durées bien plus importantes, sinon nous en serions encore à la bougie. Alors à l'heure où on parle de crise du logement, justement, en quoi la Banque des territoires peut avoir un rôle primordial justement pour résoudre ce problème sous cette équation à plusieurs inconnus dont on connaît depuis longtemps les inconnus mais dont on ne connaît pas du tout comment justement résoudre ce problème de parcours résidentiel, ce problème de logement. Donc voilà, je voulais un peu avoir votre regard sur ce levier que vous pourriez être demain. De réponse à votre question. Il y a déjà la manière dont nous, en tant que financeurs, on peut structurer, concevoir les financements qui soient les plus adaptés aux besoins des bailleurs sociaux pour réduire d'une certaine manière le coût qui
est en croissance, voilà, ça c'est une réalité objective, le coût qui est en croissance des opérations de rénovation et des opérations de production de logements. Donc ça c'est le premier axe sur lequel on travaille depuis plusieurs années, mais on a une gamme de produits qui est parfois perçue comme un peu sophistiquée, mais pour les initiés du monde HLM, c'est une gamme de produits qui est appréciée parce qu'elle fait du sur-mesure finalement par rapport aux besoins des acteurs que sont les bailleurs sociaux. Sur la rénovation thermique, donc, j'évoquais tout à l'heure l'éco-PLS, on a un financement qui permet désormais d'aller jusqu'à 30 ans pour une rénovation thermique. On a un financement qui nous coûte de l'argent, qui coûte de l'argent au fonds d'épargne, qu'on rééquilibre par des péréquations à l'intérieur du bilan du fonds d'épargne. Ce dispositif-là, assorti notamment au fonds de rénovation qui est en train de se structurer, est un dispositif qui va être extrêmement améliorant, en quelque sorte, bonifiant pour les bailleurs sociaux dans leurs investissements dédiés à la rénovation thermique. Il y a l'axe que j'évoquais tout à l'heure qui est finalement le vecteur de décarbonation. Ça, c'est un sujet parce qu'aujourd'hui, on faisait beaucoup de rénovations, en tout cas dans le monde HLM, ce qui est un peu différent d'ailleurs, voire même très différent du monde privé, on faisait beaucoup de rénovations globales. Quand on avait une politique patrimoniale, les bailleurs prenaient l'ensemble du bâtiment, faisaient une rénovation totale. Mais comme la question du carbone n'était pas encore aussi prégnante qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec ce pourcentage qui n'est pas neutre, de probablement quelques pourcents du parc, qui va nécessiter de nouveaux investissements alors même que les bailleurs ont déjà travaillé sur ce patrimoine-là. Avec une question pour eux qui est assez épineuse, il faut le reconnaître, c'est est-ce que je fais juste une mise aux normes pour passer la cible 2030 ou est-ce que je fais vraiment des investissements plus lourds pour me mettre immédiatement sur la cible 2050 bon. Donc là aussi, c'est important qu'on puisse les accompagner avec des financements concessifs. Et moi, une de mes convictions, c'est qu'il faut beaucoup de solidarité entre les acteurs dans ces périodes-là. C'est-à-dire que l'ADEME a des outils qui sont hyper pertinents. Nous, on a cette capacité de mobilisation de l'épargne des Français. Le fait qu'on arrive à travailler ensemble de cette manière-là pour proposer aux bailleurs sociaux, finalement, d'avoir, avec la contribution de l'ADEME, un financement qui soit adapté, bonifié, qui tienne vraiment compte des enjeux liés au raccordement des réseaux de chaleur et au changement de vecteur énergétique, géothermie et autres à l'intérieur des bâtiments, c'est vraiment une très bonne chose. Et c'est, je pense, un très bon exemple de la manière dont il faut qu'on arrive à travailler avec l'ensemble des protagonistes qui sont autour du sujet du logement pour co-construire les solutions qui sont les solutions qui vont nous permettre de passer ce cap. Idem d'ailleurs avec l'outil que j'évoquais tout à l'heure, PrioRéno, qu'on n'aurait jamais réussi sans Enedis et sans GRDF qui nous passent leurs données et qu'on met à disposition gratuitement des bailleurs sociaux. Sur la production de logements. Sur la production de logements, on a fait quelque chose qui, à mon avis, est assez central. C'est qu'on a déjà considéré que construire un logement, ce n'était pas la même chose entre le bâtiment et le foncier. Et donc on a déployé aujourd'hui, en fait, en réalité, quand un bailleur vient chercher un prêt, il vient en chercher deux. Un pour le bâtiment, qui peut amortir sur 40 ou 50 ans, et un pour le foncier, qui peut amortir jusqu'à 80 ans aujourd'hui en territoire tendu, et qu'on est en train de passer à 80 ans même en territoire détendu. Car comme votre questionnaire le disait très bien, on sait aujourd'hui que la question du coût du foncier et de sa rareté est un sujet majeur. C'est probablement une des composantes les plus inflationnistes dans le coût d'une opération de construction aujourd'hui. Et le fait de pouvoir faire bénéficier à un acteur public dont on a peu de doutes qu'il ne soit plus là dans 80 ans, ce qu'on ne peut pas faire avec le monde privé,
Objectivement, ça fait partie aussi des forces du modèle. Mais le fait de lui permettre d'amortir sur 80 ans son foncier, c'est une manière vraiment de bonifier l'équilibre de l'opération. Et ça, c'est extrêmement important. Plus les baisses de marge que j'évoquais tout à l'heure, plus un autre sujet que je n'avais pas évoqué, mais qui est quand même là aussi un changement radical au cours des dernières années, qu'on a déployé des titres participatifs pour soutenir non pas les opérations, mais soutenir les opérateurs. On avait identifié ce sujet au moment de la RLS avec un enjeu de venir renforcer le haut de bilan des opérateurs, des bailleurs sociaux. Et on est en train de distribuer une troisième tranche, donc ce sera notre troisième tranche, de 400 millions de titres participatifs. Au total, on aura déployé 1,4 milliard de titres participatifs pour quasiment, je ne veux pas préjuger de la fin de l'engagement, mais certainement autour de 120 ou 130 organismes de logement social, en grande majorité des offices, mais également des entreprises sociales pour l'habitat, quelques COP, quelques sociétés d'économie mixte, puisqu'on a vraiment ouvert le champ de ce produit des titres participatifs de manière large. Et c'est un produit qu'on a structuré, qu'on a conçu, et qui depuis d'ailleurs fait florès, puisque de nombreuses collectivités locales ont aussi proposé de soutenir leur bailleur social en souscrivant à des titres participatifs qui sont émis par les bailleurs sociaux. Donc c'est une manière de venir renforcer l'opérateur et de l'aider à passer le cap de cette équation que vous évoquez, qui est effectivement une équation complexe. Merci pour vos réponses. Je voudrais juste avoir une précision sur notre petit échange de tout à l'heure sur le modèle. Parce que je me souviens, j'étais déjà député dans le mandat précédent au moment de la loi Élan, les nombreux débats qu'on avait autour des organismes de logements sociaux. Je pense que le sujet s'est un peu éloigné, mais il y avait quand même un peu l'idée que il pouvait y avoir une anomalie dans le fait que des organismes de logements sociaux obéissaient certes à la définition des sociétés ou des services d'intérêt généraux, mais que pour autant, le caractère non capitalistique, le fait que le patrimoine ne figure pas dans des actifs immobiliers, que tout ça pouvait constituer un handicap. Moi, je pense qu'au contraire, ça fait partie de la solidité du modèle, mais j'aimerais avoir éventuellement votre avis là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut toucher, est-ce qu'on peut favoriser le dynamisme du logement social dans notre pays en touchant à sa structuration non capitalistique? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, mais alors bon, ça c'est sur votre étude prospective que vous avez évoquée, enfin qui a dû être évoquée au début et qui est évoquée dans notre questionnaire. Enfin, il va falloir faire quelque chose parce que notre pays peut pas surmonter avec l'inertie qu'il y a sur la politique du logement. Là, on s'enfonce dans une crise qui est quand même terrible de production. Alors, il y a une double crise. Il y a une crise de production. Dont les effets commencent à se faire sentir, mais risquent de se faire sentir encore avec plus de brutalité dans 2-3 ans, avec une pénurie de logements, avec tout ce que génère une économie de pénurie, du point de vue des prix, du point de vue des difficultés à se loger, du point de vue de la fracturation sociale de notre pays et territoriale. Donc là, il y a quand même un immense sujet. Et puis, il y a une deuxième crise dans la crise, entre guillemets, c'est la part qu'a pris le logement, y compris le logement social, dans le budget des ménages et dans la dégradation de leur capacité de pouvoir d'achat. Là, il y a le rapport annuel de l'INSEE qui vient de paraître aujourd'hui ou hier sur la situation des ménages en France, et avec l'augmentation de la pauvreté, des difficultés, des restes à vivre de plus en plus resserré pour pas seulement les plus modestes, pour une grande partie des Français, avec le poste logement qui est de loin le premier poste
de dégradation des budgets. Donc je ne vois pas bien, j'ai entendu ce que vous avez dit à la fin, j'ai entendu, même si ça m'a un peu heurté, mais j'ai entendu ce que vous avez dit à la fin sur l'autonomie, sur les loyers, sur le LLI, sur la vente et tout ça, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi conforter un modèle qui soit davantage en adéquation avec la situation de ce pays, des ménages, la demande sociale, et puis et quid des recettes pour la production, parce que là, bon, là dans votre projection, j'entends bien l'arbitrage, hein, j'ai présidé un organisme HLM avant d'être parlementaire, entre rénover un immeuble où il y a des locataires dedans et en construire un neuf, vous arbitrez tout le temps en faveur de la rénovation de l'immeuble où il y a des locataires dedans. C'est logique. Enfin, sauf que ces arbitrages, plus il y aura des arbitrages de ce type à faire, plus la production va se baisser. Alors il n'y a pas que ça comme handicap pour produire. Hein. Il y en a plein, il y a une multitude de causes, mais il va bien falloir à un moment donné, si on veut essayer de surmonter et d'anticiper la crise dans laquelle on est en train de s'enfoncer, provoquer un choc de l'offre, et notamment de l'offre de logements abordables, c'est-à-dire qui répondent principalement à ceux qui en ont le plus besoin, les jeunes, les personnes âgées, les salariés modestes. Enfin bon. Alors, je sais que la Caisse est principalement un accompagnant du secteur. Mais enfin, bon, des fois, ça ne l'empêche pas de réfléchir. La preuve, vous avez fait une étude prospective qui aide beaucoup. Peut-être pour effectivement compléter ce que vient de dire le président. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, vous l'avez cité, en fait, il y a des leviers que vous avez déjà mis en place, notamment sur le foncier ou sur des durées plus importantes ou bien sur des durées plus importantes pour la rénovation thermique. Mais cependant, en fait, ça ne résout pas en soi le problème de répondre à une offre croissante, hein, une demande croissante de logements. J'ai un exemple, c'est en ce moment, il y a comment dire, Ouest France sur la région Bretagne qui fait une page tous les jours sur la situation du logement. Et elle évoquait justement que pour les départements, la plupart des Bretons, donc c'est plus 25% de demandes sur un an. Et si on cite l'Ille-et-Vilaine, c'est 100% sur 10 ans. Ça signifie qu'aujourd'hui, on a une situation de plus en plus tendue. Et lorsque j'évoquais l'électrification, la Banque des Territoires a su à l'époque, ou en tous les cas, on lui a donné les moyens de pouvoir répondre aux enjeux qui se présentaient. Et ce à quoi on est confronté, effectivement, on parle de bombes à retardement. Comment vous êtes à même de pouvoir, justement, en sortant des sentiers battus, qui permettront, je pense, de pouvoir résoudre l'équation, faire en sorte que cette situation tendue se détende, ou en tout cas la situation explosive se désamorce. Et évidemment que vous avez déjà des offres qui peuvent paraître intéressantes, mais qui ne sont pas suffisantes encore pour répondre aux enjeux des territoires. Et pour cela, en fait, effectivement, il y a plusieurs acteurs. Parce que l'idée, c'est qu'on sait qu'on a autour d'une table sur la question du logement l'État. On a la Banque des Territoires, l'Action Logement, mais aussi l'épargne qui est présente sur notre territoire. Et il ne s'agirait pas de pouvoir demander aux plus endettés de devoir résoudre l'équation, mais comment collectivement on peut la résoudre pour justement régler ce problème sociétal, hein, puisque un logement, c'est primordial pour soit étudier, soit comment dire, travailler, ou soit tout simplement vieillir. Donc, parce qu'il ne s'agirait pas non plus, et ça c'est pour ça que je voulais compléter, produire des logements sans répondre aux besoins spécifiques des territoires et de leur population. Car on peut avoir, selon les territoires, soit des spécificités d'âge tendues ou bien tout simplement en fonction de milieux sociaux. Donc comment
Alors, peut-être que la question, la réponse, elle n'est pas apportée aujourd'hui, hein. Mais comment vous pouvez devenir vraiment un partenaire privilégié comme vous avez su déjà l'être dans le passé ? Merci beaucoup. Alors, excusez-moi, parce que j'avais pas vu votre main. On va laisser Marjolaine. Ah ouais. Oui, cher Stéphane, je veux bien. Non, mais je n'ai plus ton nom de famille. Ménie Milfer. Voilà, collègue député. Oui, j'avoue que ça fait pas mal de lettres. oui, merci. J'aurais moi, deux, trois questions, en fait, idées à discuter. C'est vrai qu'on a parlé de la manière dont le poids rénovation énergétique, thermique, environnementale des bâtiments pèse sur les projets de nouveaux projets. Et je me suis posé la question du poids de ce qui va être adaptation au vieillissement. Parce que ça aussi, c'est un énorme poids qui est devant nous sur l'adaptation des logements. Et je ne suis pas sûre qu'on ait mesuré financièrement ce que ça allait. Et en fait, on a plusieurs objets qui se tiraillent les uns les autres. Et du coup, la question d'embarquer, on voit que là, MaPrimeRénov' devient MaPrimeAdapt'. Donc il y a un peu ces sujets de tiraillement des enjeux des uns et des autres. Et du coup, de voir comment ça pèse ou pas sur les projets. J'avais une question sur la période actuelle où on a tous les propriétaires bailleurs qui nous disent ça va être super compliqué, on va pas y arriver avec les FEG, on va retirer ces biens, du coup il y aura plus de possibilités de logement parce qu'on n'arrivera pas à les rénover. Je me suis demandé si on avait réfléchi à un potentiel conventionnement social par exemple pour les bailleurs qui seraient amenés à effectivement dire bah, moi je peux pas rénover dans ces temps-là ou avec les moyens. Est-ce qu'on pourrait avoir un logique de dire bah, plutôt que de retirer votre bien on pourrait passer un conventionnement social pour tant d'années, on pourrait avoir un soutien à la rénovation peut-être plus long, ça permettrait peut-être d'avoir des offres de logements alors qu'ils seraient pas évidemment aussi denses en action, mais dans le diffus, est-ce que ça pourrait être une proposition? Ça pourrait peut-être aussi d'ailleurs venir soutenir justement des endroits où on n'a pas forcément une offre sociale aussi dense, ou voilà, venir compléter les choses. Et dans la logique des comment est-ce que les bailleurs sociaux peuvent aller vers d'autres activités, on sait que c'est quand même les premiers plus, enfin, les meilleurs gestionnaires aujourd'hui des patrimoines collectifs. Ils ont vraiment un savoir-faire et une compétence. Moi, je me suis posé la question, ça avait été évoqué pendant le CNR, de savoir si ces compétences, elles ne pourraient pas être mises à disposition de leur territoire en offre d'accompagnement, un peu finalement mon accompagnateur Rénov qui serait le bailleur vis-à-vis soit de la collectivité territoriale qui n'a pas toujours ses ressources en local, qui n'a pas toujours ses compétences, mais en même temps, il y a un lien de confiance qui existe entre le bailleur et l'élu local qui ferait que les synergies seraient assez naturelles. Et du coup, finalement, est-ce que ce serait un mon accompagnateur rénove bâtiment public ou voire collectivité, enfin, je veux dire du logement collectif, la copro, voilà, le terme me manquait, on en parle tellement que le mot m'échappe. Est-ce que ça pourrait être une idée, bon, même s'ils ne sont peut-être pas exactement sur le même sujet, mais il y a ce lien de confiance et de savoir-faire et d'expertise qui pourrait être une manière, finalement, de réemployer des savoir-faire. Parce que ce qu'ils nous expliquaient, les bailleurs, quand même, c'est que toute la partie le plus dur, en fait, enfin, les 80%, ils l'ont déjà fait. En gros, les 80% d'efforts de rénovation qui sont faciles à atteindre, ils l'ont. Là, ils rentrent dans le dur du dur. Mais finalement, il y a plein d'autres endroits où les 80% faciles à atteindre, où ils auraient l'expérience de savoir l'accompagner, bah, ce serait facile à faire et ce serait accompagnable facilement. Bah, là, à mon avis, il y a un potentiel, pas dans leur parc, mais ailleurs. Merci beaucoup. Alors, j'essaie de répondre en temps synthétique, mais s'il y a des questions qui demanderaient plus de temps. Sur la question de la loi Elan et de la structuration capitalistique, alors je vais vous faire une réponse très, pour le coup, enfin une conviction personnelle. Je pense que l'enjeu aujourd'hui est d'être dans l'action et que dès lors qu'on pose des questions sur le statut, sur la structuration d'un secteur quel qu'il soit, mais particulièrement d'un secteur régulé qui se trouve être un SIEG, on prend le risque de passer beaucoup, beaucoup de temps à en discuter plutôt qu'à faire. Et d'une certaine manière, la loi Elan aura
rationaliser un petit peu le volume, le nombre d'opérateurs, pas de manière radicale, créer des structures de coordination, les fameuses sociétés de coordination, les SAC, dont certaines deviennent des vrais projets d'entreprise, d'autres restent plutôt des projets encore un peu coquilles vides. C'est l'état de fait aujourd'hui. Je pense qu'il est important qu'on n'y touche pas pour être vraiment dans une dynamique d'action et pas réouvrir des débats de fond sur cette question. Je peux heurter deux minutes votre grande diplomatie. Mais vous ne pensez pas, je suis assez d'accord avec vous, totalement d'accord avec vous, mais vous ne pensez pas que justement, à vouloir restructurer suite à la loi Elan, on a perdu beaucoup de temps et d'énergie dans ces structures de coordination qui, pour certaines, correspondent à des projets d'entreprise, mais enfin pour beaucoup, ont nécessité la mobilisation de beaucoup d'énergie et de matière grise pour pas grand-chose, parce que justement, on travaillait sur la structure et pas sur le projet. Alors, c'est un des risques quand on travaille effectivement sur des choses organiques. Le bon côté, là où c'était finalement un travail qui est utile aujourd'hui en temps de crise, c'est que la rationalisation qui a été opérée, même si elle est limitée, elle a le mérite d'avoir plutôt consolidé les situations financières et réduit l'accroissement des charges qu'on constatait précédemment. Donc il y a des effets bénéfiques qui peuvent aider aujourd'hui à l'investissement. Sur la question de fond, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, finalement, c'est ce que vous nous dites. Alors, le groupe Caisse des dépôts, si on élargit un peu le champ, le groupe Caisse des dépôts, je pense qu'il joue un rôle assez central. On l'a vu lors du congrès, on l'a vu lors des plans logement 1 et 2. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute l'action qui est menée par la filiale de la Caisse des dépôts, qui est CDC Habitat, qui a enclenché à nouveau un plan de rachat des opérations VEFA des promoteurs. Qui est un plan qui avance à un rythme très satisfaisant avec un engagement de 17 000 logements rachetés et qui joue un rôle extrêmement important d'un point de vue contracyclique. Le fait qu'un établissement comme le groupe Caisse des dépôts, enfin qu'une structure comme le groupe Caisse des dépôts puisse se lancer en mettant des fonds propres et en déployant ces différentes composantes et ces différentes expertises pour venir en aide à différents endroits au monde du logement, d'un point de vue contracyclique, je trouve que voilà, c'est vraiment extrêmement appréciable. Ça vient s'inscrire dans une dynamique pluriannuel, puisqu'on avait déjà mené ce type d'action par le passé. Est-ce que tout ça est suffisant? C'est la question que vous nous posez. Alors, si on revient sur l'étude perspective, un des éléments les plus dirimants dans l'étude perspective, c'est quand même le changement radical du contexte macroéconomique. Le même niveau d'investissement avec les mêmes objectifs de politique publique il y a 5 ans, probablement, on n'avait pas besoin de tirer la sonnette d'alarme. On est aujourd'hui dans un contexte où on pressent, même si on est plutôt dans une phase de stabilisation des taux courts et des taux longs, que la courbe des taux va rester quand même assez longtemps à un niveau élevé. Pour des acteurs qui sont qui ont un modèle économique qui est fondé sur de la dette, même si c'est de la dette avec des caractéristiques particulières, forcément, mécaniquement, ça a un impact. Quand on voit aujourd'hui d'autres secteurs du monde du logement, je pense au monde de la promotion, qui peinent à se financer ou qui se financent à des taux qui sont des taux qui ne permettent plus de soutenir un certain nombre de programmes, c'est pas le cas des bailleurs sociaux. Donc on limite la casse de ce volet-là, c'est déjà beaucoup. Maintenant, il va falloir effectivement continuer à travailler pour résoudre cette équation. Les quelques pistes esquissées tout à l'heure sont limitées, mais conjuguées les unes aux autres peuvent quand même représenter une réponse
commencent à être solides à la crise. On évoquait les recettes et la diversification. J'évoquais la seconde vie des bâtiments. Enfin, si on arrivait à avoir 10 000 logements en seconde vie des bâtiments, on a tous en tête des R plus 4 des années 70 dans des petits quartiers en entrée de ville. Il y a probablement là vraiment une manne de potentiel de transformation et de reconventionnement extrêmement importante. Le fait de pouvoir recycler des ensembles d'entrée de ville, notamment des zones commerciales, des travaux qui ont été conduits, qui montrent que là, il y a un potentiel de recyclage qui est extrêmement important. Ce sont des opérations qui sont soutenues. C'est des opérations sur lesquelles il y a des modèles publics-privés qui existent et qu'il faut, je pense, encourager. Voilà, c'est le public privé, ça marche pas toujours partout, mais là en l'occurrence il y a probablement des modèles à encourager et il faudrait aller plus loin. Et puis il y a la question du foncier public. Alors c'est un serpent de mer, hein, la question du foncier public, mais dans la composante des prix et dans l'équation globale que vous évoquiez avec in fine la part payée par les ménages de la composante logement, si on regarde la composante foncière, elle est majeure. Et tant qu'on n'a pas une politique vraiment volontariste où on met à disposition du foncier, notamment aux bailleurs sociaux, et qu'on retrouve une chaîne d'ailleurs où les aménageurs travaillent avec les bailleurs sociaux sans travailler nécessairement par l'intermédiaire du monde de la promotion privée, puisqu'on est quand même aujourd'hui beaucoup dans ce schéma-là. Hein. Les aménageurs travaillent avec les promoteurs, les promoteurs travaillent avec les bailleurs sociaux. Et donc, il y a aussi une dépendance de plus en plus grande des bailleurs sociaux à la promotion privée. Donc, quand la promotion va mal, ben, du coup, il y a moins de logements sociaux. Alors que le logement social a une capacité de maîtrise d'ouvrage que vous avez évoquée et qui est vraiment à mettre à son crédit et qui pourrait jouer ce rôle contracyclique. Et il faut qu'on l'aide à le refaire. Mais ça passe probablement par un réajustement des prix sur le foncier en entrée de chaîne. Et je pense qu'on est nombreux à attendre que ce réajustement ait lieu. Et puis, sur le lien travail-logement, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de projets dits de réindustrialisation. Donc c'est plutôt une bonne chose. On les soutient par ailleurs à la Banque des Territoires. La manière dont on va anticiper au mieux les besoins de logement pour pouvoir installer les salariés à proximité des usines, peut-être par, dans un premier temps, les nouvelles constructions temporaires, mais qui sont en réalité de très très bonne qualité, qui peuvent permettre au moins de rapprocher le salarié du lieu de travail en attendant que des logements sociaux, des logements intermédiaires et des logements libres soient construits en proximité de ces usines. Et une bonne réponse, je pense, pour pouvoir en tout cas avoir une meilleure anticipation et éviter un effet retard où on va se retrouver avec des usines et pas de salariés qui habitent à côté, et ce qu'il faut vraiment, vraiment éviter. Sur la question du vieillissement, alors je partage totalement l'analyse. C'est vrai qu'on s'est nous-mêmes donné comme objectif pour 2024 de travailler plus à cette question du vieillissement à l'intérieur du parc social. C'est un sujet qu'on adresse d'ailleurs déjà avec l'Union sociale pour l'habitat à travers différentes études qu'on cofinance. On intervenait relativement peu jusqu'à présent parce que c'était plutôt des aménagements de petits composants à l'intérieur du logement, donc qui ne nécessitaient pas forcément d'être financés par de la dette. C'était pris voilà, comme ça par les organismes. Aujourd'hui, le sujet est massif. Et effectivement, il va demander une adaptation beaucoup plus massive de beaucoup de logements du parc social. Et c'est légitime qu'on regarde comment accompagner, probablement par des financements concessifs, toute cette stratégie d'adaptation au vieillissement. Donc c'est plutôt devant nous pour ce qui nous concerne, mais certains bailleurs ont déjà bien pris le sujet à bras le corps. Sur la question des étiquettes F et G du parc privé, une question effectivement assez structurante. La loi climat et résilience, elle pèse aussi sur les organismes de logement social. Donc, dans tous les cas de figure, cette piste-là demanderait une acquisition, amélioration du logement pour le mettre aux normes, pour pouvoir le relouer. C'est un modèle alors qui a été soutenu notamment dans le cadre du PLF avec cette idée de promouvoir le logement intermédiaire dans l'ancien, avec justement cette idée de, alors qui touche quand même plutôt pas le diffus mais plutôt le bloc, en disant
par endroit, il y a quand même des investisseurs privés qui vont se désengager dans un contexte où la réhabilitation du logement ou de la copro va être plus chère que... Enfin, l'équilibre économique n'est pas bon. Et dans ces cas-là, effectivement, des bailleurs sociaux pourraient reprendre le bien, le transformer et le mettre en gestion locative. Dans les territoires détendus, en fonction du prix d'entrée, ça peut être du logement social. Dans les zones plus tendues, c'est probablement plutôt le logement intermédiaire qui permettrait d'équilibrer l'opération. Mais ça fait partie des choses qui sont regardées aujourd'hui et qui peuvent effectivement être un des débouchés pour un certain nombre de propriétaires dans le parc privé. Et puis pour conclure sur la question de la maîtrise d'ouvrage déléguée, finalement, alors ça c'est un de mes constats d'étonnement plus personnel. C'est vrai que les collectivités locales, malgré la proximité avec les bailleurs sociaux, font rarement appel à eux pour des opérations de maîtrise d'ouvrage sur le parc public. Et je pense que, sans vouloir parler à leur place, mais beaucoup d'opérateurs bailleurs sociaux seraient tout à fait disposés et capables de prendre plus ce type de marché et d'apporter les compétences qu'ils ont développées finalement au service de leur territoire. Ce sont des acteurs territoriaux, les bailleurs sociaux avant tout. Et c'est probablement une piste de développement qui mériterait d'être plus encouragée. Mais je pense que c'est plus un sujet côté collectivité locale et peut-être un signal qu'il faudrait donner pour montrer que c'est possible et qu'il n'y a pas de contraintes juridiques au fait de... parce qu'il y a des questions parfois de destination, notamment pour les offices publics. Est-ce que... ils ont vraiment la capacité de répondre à ce type de marché en fonction de leur statut, de leur objet. Il peut y avoir ce type de questionnement, peut-être pas justifié, mais en tout cas peut-être un point sur lequel ça pourrait être utile qu'il y ait une clarification. Et puis sur la question des copropriétés, donc comme vous le savez, de nombreux bailleurs sociaux sont déjà très actifs sur les copropriétés, particulièrement les copropriétés en difficulté. Ils font un travail difficile, long, et qu'il faut saluer, je pense. Et probablement les discussions que vous allez prochainement avoir sur cette question des copropriétés leur permettront de jouer ce rôle de manière plus facilitée quand il s'agit de venir au chevet d'une copropriété fragile et pour lequel les bailleurs sociaux ont vraiment beaucoup d'atouts à proposer pour aider à opérer le redressement de ces copropriétés. Merci beaucoup, je crois que... on va vous libérer. Merci, c'était très instructif. Si vous avez pointé, mais on ne va pas trop prolonger le débat là maintenant, mais vous avez pointé le sujet du foncier. S'il y a des réflexions et des études à la caisse sur le sujet, on est preneur, parce que, bien évidemment, c'est la matière première du logement. Donc, quand les coûts de la matière première flambent, le reste est en difficulté. Voilà. Donc ça nous intéresse. Ça nous intéresse beaucoup parce que je pense que dans notre rapport, on sera amené aussi à faire des propositions sur la question du foncier, de la fiscalité du foncier, du foncier public. Voilà. Sachant qu'il y a des enjeux, vous faisiez référence, et je sais que mon collègue Michael Cosson en fait souvent en référence. Il se trouve que j'ai rencontré... récemment, des patrons de grandes surfaces commerciales, enfin de grandes marques, qui aujourd'hui sont tous en train de réfléchir au recyclage de certains centres commerciaux. Et bon, donc c'est bien, c'est intéressant, mais c'est une invitation à mettre un peu de règles dans la question foncière, hein, parce que ce serait quand même paradoxal. Que des grandes emprises foncières d'entrée de ville qui sont là depuis 30 ans au bénéfice d'un projet d'aménagement et d'une révision des PLU viennent abonder des plus-values indues au détriment de la diversité des logements à produire. Par exemple, mais il y en a bien d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous.